I am Mfani Buyade. I'm from Guinea, Conakry, West Africa, in Sidero. And I play basically the kora. Kora is a harp, African harp, and the balafon, African xylophone, and sing. And my workshop here was directly the initiation of the Rafaji people. Give them the basic and the initiation. The initiation is to give the basic, to take the stick and to play basic song. Je suis coordinateur du projet Ucreate en Belgique. C'est un projet qui est un projet européen, donc financé par le programme Creative Europe de la Commission européenne, avec quatre partenaires à travers quatre pays d'Europe, donc quatre organisations culturelles. Nous, en Belgique, donc la Fondation internationale IEU Diminuine, on travaille surtout avec des ateliers artistiques pour favoriser la création de liens sociaux au sein des centres d'accueil et de demandeurs d'asile en Belgique. L'objectif premier de ces ateliers, c'est de permettre l'expression créative à tous, mais c'est aussi pour eux de créer des liens entre ces personnes et créer des liens entre ces personnes et des personnes extérieures au centre. Ici, les participants sont plutôt, je dirais, dans un mode de survie. Ils sont dans une sorte de salle d'attente. Il y a beaucoup de tristesse, d'attente, d'angoisse. Et on se rend compte que finalement, nous sommes aussi là pour les aider à vivre ces moments un peu difficiles. Et surtout, le fait de communiquer, de créer ensemble leur donne une certaine joie qui est vraiment très agréable pour nous, qui est très communicative. Et on est très content de les voir à la fin de l'atelier, beaucoup plus ouvert et en train de communiquer avec les gens qui côtoient d'habitude dans les couloirs du centre depuis des mois et des mois sans jamais leur parler. Et pour nous, ça c'est très, c'est une récompense de ces ateliers. J'officie comme directeur artistique de certains projets de la Fondation internationale IEU Diminuine. En l'occurrence, ce sont des ateliers et des résidences basées sur la co-création et qui utilise l'art comme outil d'intégration sociale. Le fait de vivre ça ici leur permettra probablement, sera probablement un outil pour eux dans la vie, dans leur destin un peu mouvementé. My name is Isabelle Morel and I'm a dancer and a choreographer. I came here to participate to those workshops who are in fact for me more sharing moments on the basis of rhythm in the body. Through rhythm and dance, we can communicate beyond cultural differences. And so I use the shape and the sort of structure of circle dances. When I work with refugee people, I know that normally people don't take dance classes. I mean, a lot of people coming from other culture, they don't take dance classes, so it's not the point to give a class. The point is to make everybody feel comfortable, at ease, happy, relaxed, so everybody feels legitimate to share something they know with each other. Alors, je m'appelle Archil, je suis musicien, compositeur et surtout je construis des instruments de musique. Et du coup, dans le workshop d'aujourd'hui, on a construit un instrument qui n'a pas vraiment de nom. Ça, pour le coup, c'est pas moi qui l'ai inventé, avec des bouteilles de plastique qu'on recycle. Et du coup, dans les bouchons de ces bouteilles plastiques, on vient percer et insérer une valve, comme on a sur une chambre à air de vélo ou dans une voiture. Et ensuite, on va du coup pomper avec une pompe à vélo classique
pour augmenter la pression de l'air à l'intérieur de cette bouteille. Et du coup, on va pouvoir l'accorder. Donc plus on pompe, donc plus on augmente la pression à l'intérieur de la bouteille, et plus la note va être aiguë. Et donc c'est assez chouette parce que c'est immédiat et on s'attend pas forcément aux sonorités qu'on va avoir. Le but pour moi de ces ateliers, s'ils peuvent apprendre un truc, c'est qu'on peut faire de la musique vraiment avec tout et n'importe quoi, et apprendre à détourner les objets et à faire des sons avec des choses qui sont pas des instruments de musique. Et je trouve du coup ça s'y prête encore plus dans des endroits comme ça où ils n'ont pas forcément accès à de vrais instruments de musique ou à du matériel d'enregistrement ou quoi, de montrer qu'on peut quand même faire des choses chouettes en détournant des objets du quotidien. La musique est partout en fait, c'est ce que je dis parfois, et j'y suis de plus en plus sensible depuis quelques années, depuis que je me mets à faire ces instruments de musique. C'est que n'importe quel son c'est une note, et que vraiment tu peux faire des rythmes et des mélodies avec à peu près tout, et que c'est justement parfois plus intéressant qu'en utilisant une guitare ou une basse . Mais en tout cas, ils avaient l'air vraiment absorbés par ce qu'ils faisaient et heureux de le faire, et ouais, donc j'espère que ça a pu faire une petite parenthèse chouette et qui leur a fait penser un peu à autre chose pendant tout ce temps-là, ouais.